L'estampe est un moyen de reproduction et de multiplication d'une œuvre. Quelle est sa nécessité par rapport à une œuvre originale ? Bah, la nécessité d'un tirage de gravure, au sens que la gravure a une possibilité de multiplication, c'est que l'original, on n'en a qu'un, œuvre originale, même si la gravure est une œuvre originale, on peut la multiplier. Et c'est là l'intérêt aussi de la gravure, c'est cette multiplication et pouvoir aussi de la distribuer. Et donc, elle est plus pédagogique puisque elle est par définition en plus grand nombre et aussi moins coûteuse, moins chère. Donc, par rapport au public, oui. Comment tu définirais ça ? L'avantage aussi, effectivement, la multiplication permet aussi un moindre coût à l'achat pour les gens qui veulent avoir des œuvres d'art. Ça permet effectivement, au lieu d'acheter une œuvre d'art unique à un prix quand même bien plus conséquent, d'acquérir une œuvre à un prix qui est plus abordable. À partir du moment où on fait de la gravure, c'est pour multiplier la possibilité d'avoir des collectionneurs d'une façon un petit peu plus large. Et inversement, est-ce qu'on pourrait dire que le nombre, la reproduction, c'est la société de consommation, est-ce qu'il y a quelque chose de vulgaire dans cette reproduction comparée à la noblesse irréfutable de l'original ? Oui, c'est ce qu'on avait dit à Fautrier. Hein. Fautrier avait commencé des œuvres originales qui, lui, est original, je ne parle pas de gravure, où il incluait cette possibilité de multiplier l'original et de démultiplier en ayant une méthodologie. Et l'action, il s'est fait décrier comme c'était pas possible par ses pairs. Non, le principe de la gravure, c'est être dans cette problématique du papier, et être ailleurs que sur la toile. Donc on a effectivement cette possibilité de multiplication avec la gravure, et c'est tant mieux. Mais pour l'œuvre originale elle-même, c'est une autre vision des choses. Le ruot sur la gravure, est-ce que tu peux y épuiser une veine, le désir d'une thématique, aller au bout d'une thématique en revenant sur la même image? Le ruot, c'est à la fois pour une intervention qui m'est propre au-delà de la gravure. On multiplie avec la gravure, mais le ruot, ça permet d'aller mettre la main dans la gravure. On n'est plus sur la plaque qui va redonner, effectivement, on y met la main. Mais là, le réo, c'est bien y mettre la main, de venir faire des collages, de venir faire des interventions dans la gravure, et d'être au-delà de la gravure, une intervention comme on l'a fait dans la peinture. Et donc, c'est un désir de réauthentifier l'œuvre multiple. Oui, mais... Non, ça reste avant tout pour moi de la gravure. L'esprit reste gravure et l'esprit reste papier. Il est vrai que, et même dans le papier, je vais venir mettre des collages de papier, je vais pas venir mettre des collages de toile. Justement, tu parlais de ces agglomérations, de ces superpositions que tu fais dans tes peintures. Que représente dans ton imaginaire le travail sur le support du papier ? Le papier parle différemment. C'est-à-dire ? La toile, on l'attend. La toile, on vient l'écouter avant de peindre. Le papier, on vient le presser. On vient lui donner de l'ancrage à cœur. Et on vient travailler dans le papier. Alors que sur la toile, on est vraiment sur la toile. On amène des choses sur la toile. Et tu es dans la même verticalité, non ? Pas forcément. Ah non ? Parce que la toile, tu la peins en face à face. Oui, en face à face. Il n'est pas au sol. Tandis que là, la gravure, on est sur le plan, voilà. On est sur le plan horizontal et puis à l'envers. Et ça change la vision ? Oui, ça change la vision, bien sûr. Ça change la vision pour deux raisons. À la fois, il faut penser à l'envers et ensuite tirer et se dire ça va être à l'endroit. Qu'est-ce que l'endroit, qu'est-ce que l'envers ? On a des surprises, il y a tout un tas de choses qui arrivent dans la gravure où je comparerais un peu avec le photographe qui est dans son laboratoire et qui va découvrir la photo même s'il l'a eu dans l'œil.
il va la découvrir au moment du révélateur. Les lieux ondines, c'est le lieu des fées de l'eau, quoi, des nymphes. D'accord. Oui, c'est un univers à l'eau, c'est comme... Dans ces gravures, on trouve des titres antagoniques, tels que « Plis du ciel » ou « Abyss ». Qui donne une indication quant à la direction de la lecture. Alors, d'un côté le céleste, de l'autre côté l'infernal. Où es-tu, Bernard Ligand? C'est la fusion des contraires? Non, ça peut être lié à la couleur, à l'esprit de la gravure elle-même, mais c'est surtout lié à la poésie et à la lecture de la poésie, à Éluard, à Verdi, à tout un tas de poètes. J'aime lire, et puis effectivement, tout ce qui se prolonge au-delà de la gravure, avec la poésie, avec mes amis poètes. Et en plus, c'est la gravure qui a d'abord été nommée. Pendant tout un temps, mes éditions, mes gravures étaient sans titre, jusqu'au jour où il a commencé à y avoir des titres. Et puis, comme mes gravures étaient nommées, j'ai nommé aussi mes toiles qui étaient sans titre. Quand tu mets la main à la pâte, tu as une presse dans ton atelier, tu tires toi-même des petits formats, des moyens formats. C'est un gain d'œuvre pour toi, qu'est-ce que ça signifie? Ah, c'est une manière de sentir différemment que de faire tirer par l'atelier avec lequel j'ai l'habitude de travailler, l'atelier Pasnik par exemple. Même si je veux faire les bons à tirer, même si je fais les plaques, je suis un graveur à part entière, dans le sens où je sais ce que c'est que la gravure, je fais des plaques, je suis pas quelqu'un qui va demander à faire de la gravure. Je suis un graveur qui va plutôt faire travailler une taille de dossier parce que ça demande beaucoup de temps. Donc je ne peux pas me consacrer qu'à ça et après ben, je reviens et je signe mes planches, etc. Par contre, à l'atelier, je viens plus avec ma presse faire des essais, faire un travail spécifique, être plus dans la solitude de mon travail. La présence de la cuvette dans l'estampe est contemporaine de ton premier livre gravé en 1995. Est-ce un hasard? Ou cette marge comporte-t-elle quelque chose de la composition livresque? Alors moi, je ne crois pas du tout au hasard, mais ça m'interroge beaucoup. Parce que je n'avais pas remarqué ça. Je pense que le livre amène la marge. Nécessairement, quand on lit, il y a une marge. Même si après, on peut jouer avec ça. C'est-à-dire, pas de marge, mais on se pose toujours la question de la marge. La marge, c'est la marginalité. La marginalité, c'est le moment où on va passer à autre chose. Et être marginal, c'est commencer à faire des petites annotations en disant bah ça, je suis d'accord, ça, je suis pas d'accord, tiens, ça, je développerai bien, etc. C'est comme souligner. Etc. Et c'est cette marge, quand on va commencer à la remplir bien plus que le texte, qu'on va commencer à écrire son propre livre. Et ça, donc la marge et la marginalité servent bien à ça. Celui qui va voir la gravure va naturellement être attiré par ce qui se passe sur l'aspect central de la gravure, mais en même temps, je veux qu'il aille se promener sur la marge. Je veux pas qu'elle soit perdue. Et justement, c'est dans cette marge-là qu'il doit commencer à rêver pour revenir ou repartir.
Peux-tu évoquer ton lien à Goethe, à son œuvre et à ses techniques? Mon lien à Goethe, il est énorme. À un moment donné, ma peinture amenant plus de la matière, je me suis posé le problème de la gravure en me disant mais qu'est-ce que je vais pouvoir faire comme type de gravure, parce que je n'avais pas appris ça, pour aller sculpter, travailler le papier dans le papier et venir justement le rendre plus sculptural. Et là, je me suis aperçu que Goethe avait fait un travail intéressant et j'étais sur la côte, j'en ai parlé à Matarazzo. Et Matarazzo m'a fait rencontrer Goethe, et ensuite Goethe, l'histoire a commencé à se mettre en place. Goethe m'a fait rencontrer James Coignard. James Coignard, qui habitait en Basse-Martel à ce moment-là, m'a dit « Bah écoute, on va aller voir l'atelier Pasnik, parce que l'atelier Pasnik était en Basse-Martel. » Et puis à partir de là, voilà, c'était parti. Dans ton catalogue raisonné de l'œuvre gravée, Jean-Pierre Jay raconte l'anecdote fondatrice de l'entrée en couleur de ta gravure. Est-ce que tu peux en parler? Quand j'ai commencé à travailler avec Vision Nouvelle, c'est d'ailleurs grâce à Goethe, ils se sont posés la question de la gravure et de la couleur liée aussi à ma propre œuvre, qui est une œuvre assez colorée. Donc ils m'ont dit, bah, faut essayer et on aimerait que ce travail-là sur toile devienne un travail sur gravure, même si c'est un univers différent. Donc tout de suite, j'étais en regard et interrogé sur cette problématique-là. Donc j'ai mis en place avec les ateliers Art Gravé à Nice une méthode qui me permette de travailler la couleur avec Henri Baviera, qui est un grand technicien. Le carborandum est une de tes techniques récurrentes. Peux-tu expliciter cette tentation du volume? Ah, c'est plus qu'une tentation du volume. C'est une recherche du volume, mais je ne cherche pas à sculpter au sens propre du terme. J'ai toujours cherché dans mon œuvre à être plus dans un rapport par rapport à la surface et au volume, tout en cherchant dans cette surface à capter la lumière. Quelle est la progression de tes techniques pour l'expression de la couleur? En parlant du collage, mais par exemple également dans tes gravures, tu es parti de plaques en puzzle et puis tu as évolué vers une seule plaque avec beaucoup plus grande liberté dans la couleur. Bah oui, parce que la première approche c'est du monochrome. Une gravure noire, on vient essuyer et puis travailler, ça ne pose pas de problème de superposition. Ensuite, on fait un travail de superposition avec d'autres couleurs, donc deux plaques, trois plaques, quatre plaques. Déjà, ça pose des problèmes, mais le premier travail que j'ai eu en la couleur, quand on voit, par exemple, tout ce qui a été fait avec les tirages de Vision Nouvelle, où on vient juxtaposer les couleurs, un travail de linogravure, de mélange avec de carborandum, où on vient travailler de pulse de chaque couleur, et puis progressivement, à voir que les couleurs vont se superposer malgré les difficultés que ça peut présenter, puis interviennent les collages. Puis, en fin de compte, c'est par strates et par couches que ça se passe. Parce qu'à la fois dans la gravure au carborandum, on peut travailler dans le creux, mais on travaille aussi sur les arêtes, on travaille sur ce qui se passe sur le relief. Donc on peut jouer un petit peu ce registre-là. Le fait d'aller jusqu'au bout d'une image et en quelque sorte de l'épuiser par la gravure, par le nombre, par le travail sur une même gravure, est-ce que ça te permet de te ressourcer et de retrouver un élan dans ta peinture? Il y a toujours un passage entre les différents supports, que ce soit gravure, peinture, céramique, expression, impression d'Égypte, tout ce qui est de l'ordre de ces différents supports, travaille en miroir avec les autres.
Naturellement, je vais travailler la gravure, mais en ayant travaillé la gravure, quand je vais revenir sur la toile, je vais avoir en mémoire ce que j'ai fait en gravure. Et puis, tout ça se met en marche. Bah, c'est, je suis la même personne, mais qui travaille sur des supports différents et qui interroge le support d'une manière différente. Mais, par exemple, pour la toile, je viens faire des collages sur la toile. Ces collages-là interviennent maintenant, depuis un certain temps, dans la gravure, avec les mêmes problématiques de mise en place. Sauf que là, c'est papier sur papier. Mais je viens travailler ces papiers, colorer ces papiers en amont, comme je peins sur la toile. C'est-à-dire, je ne prends pas n'importe quel papier, je prends du papier et je le travaille, je le peins. Et ce fond et ce travail du papier sur la gravure, c'est du travail de peintre sur avant tout. C'est dingue. Quelle est la progression de tes techniques pour l'expression de la couleur ? Le carborandum est une de tes techniques récurrentes en gravure. Peux-tu expliciter cette volonté de relief ? Est-ce une tentation du volume ? Dans ton catalogue raisonné de l'œuvre gravée, Jean-Pierre Jay raconte l'anecdote fondatrice de l'entrée de la couleur dans ta gravure. Peux-tu raconter cette anecdote et ta relation donc avec les éditeurs, avec Vision Nouvelle ?